Là, on est vraiment dans un moment qui, pour moi, est un moment d'ouverture, de réappropriation de la démocratie, à réappropriation à la fois physique hein, par les mouvements de place, euh, par les Gilets jaunes, par Instinction Rébellion. On voit bien cette idée de prendre l'espace public, mais aussi à travers les collages contre les féminicides, euh, réappropriation virtuelle euh, par les hashtags, MeToo, euh, on, on, on veut respirer, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose, et, et je crois qu'il faut aussi voir ça, euh, les, les, les raidissements qu'on qu 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 vit aujourd'hui, ils, ils ne sont explicables que parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des levées de verrou par cette réappropriation de la parole. Bonjour Réjane. Bonjour. Bienvenue chez Blonde. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter rapidement Alors moi je suis directrice de recherche CNRS au centre de recherche politique de Sciences Po où j'enseigne. Alors vous venez d'écrire il y a quelques mois Radical et fluide les mobilisations contemporaines, publié aux presses de Sciences Po. Euh, donc il s'agit d'une analyse euh... Des, des principaux modus operandi des mobilisations contemporaines, euh, des mouvements d'occupation des places à, à MeToo en se passant par les gilets jaunes. Euh, vous avez interrogé euh, environ 130 responsables d'associations, de collectifs, entrepreneurs sociaux. Euh, pour comprendre le point commun qui a entre toutes ces luttes et vous en avez dégagé deux, donc la radicalité par la remise en cause et les utopies que portent ces mouvements là et l'aspect fluide de ces mouvements par le refus d'un cadre fixe et définitif. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ces deux qualificatifs euh, des luttes pour l'émancipation c'est à dire d'une part l'aspect radical, d'autre part l'aspect fluide les mobilisations contre les injustices sont plutôt appréhendées aujourd'hui euh, comme euh, des combats contre contre les injustices, euh, contre les inégalités dans une forme de dépolitisation, à la fois parce qu'on les renvoie à des émotions plutôt négatives, euh, la colère en particulier, et parce qu'on les renvoie aussi à une division euh, de ce qui serait censé être un universalisme pacifié euh, et prétendument neutre. Ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi ces mobilisations étaient éminemment politiques dans la mesure où elles portaient un horizon commun d'émancipation et en quoi elles, elles pouvaient être perçues aussi comme de l'ordre de ce qui fait commun et non pas de ce qui fait division ou séparatisme au sein d'une république un peu fantasmée dans son unité. Et ce que j'ai vu comme point commun, c'était le fait qu'il y avait une forme de réhabilitation de la radicalité politique. Radicalité politique pensée en termes de, du fait d'interroger et de comprendre les injustices et les inégalités en lien avec leur cause. C'est-à-dire. Que face à un diagnostic qui est celui de la reproduction des inégalités et de la défiance vis-à-vis d'une approche réformiste qui a montré son, son inefficacité, euh, il, y avait cette, il y a cette, ce sentiment commun de nécessité d'en passer par un questionnement sur les structures, sur les causes euh, euh, qui expliquent la reproduction hein, de ces inégalités. Donc radicalité au, vraiment au sens étymologique, de, de, de comprendre et de dénoncer les racines des injustices, mais aussi au sens de s'opposer à l'ordre existant, pour des raisons à la fois euh, principales, hein, d'injustice profonde, d'application que, à quelques ans, euh, des principes de liberté et d'égalité, mais aussi... Euh, de, ne, de ne pas avoir peur d'adopter euh, des tactiques, qui sont des tactiques diverses, à la fois de l'ordre du plaidoyer, euh, mais aussi de la désobéissance civile, du questionnement entre la frontière entre violence légitime et illégitime. Et donc on voit euh, là une défiance à la fois vis-à-vis -vis de la démocratie représentative, dans ce qu'elle a pu porter, non pas comme intérêt général, mais comme intérêt particulier, mais aussi vis-à-vis -vis de tout cadrage idéologique a priori ou stable. Donc c'est là où la radicalité, elle est fluide, au sens où... Euh, il y a une, une, une forme de réticence vis-à-vis -vis de tout ce qui serait perçu comme une forme de recomposition d'hégémonie ou de risque de, se, de, de de nouveau porter quelque chose qui ressemblerait à du totalitarisme. Euh, et donc on voit bien que là, c'est une radicalité en mouvement, euh, aussi bien d'un point de vue organisation, organisationnel. Euh, donc une méfiance vis-à-vis -vis des structures trop rigides, mais aussi du, du point de vue idéologique. Euh, et en ce qui concerne l'idée de, de travailler ensemble, de, de s'émanciper ensemble, il y a vraiment cette idée aussi qu'il ne faut pas euh, rigidifier les convergences, mais être dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la confluence. Vous, vous, vous le décrivez bien dans, dans, dans vos études, le, le but de la plupart de ces mouvements sociaux aujourd'hui, et notamment des mouvements de la jeunesse, c'est de recréer du commun, et effectivement pas de s'inscrire simplement contre, mais effectivement de recréer du commun. Euh, il y, a, il y a un événement en fin d'année qui a été aussi assez emblématique euh, c'est la COP euh, dans laquelle on a vu une jeunesse euh, que ce soit du, du nord ou du sud qui s'est rassemblée qui effectivement a fait, a faisait des appels au commun pour préserver la, la planète et on a quasiment le sentiment que euh, il y avait effectivement ce caractère fluide et, et effectivement d'aller vers un commun pour ces luttes là et en face toute la rigidité euh, du cadre et du cadre politique de celui de la COP, avec ces instances qui étaient complètement fermées justement à tous ces mouvements sociaux-là. Et, euh, et on peut se poser la question vraiment, comment... Euh, on va co comment parvenir euh, à ce que les, ces, ces mouvements fluides parviennent à, à infuser un champ politique qui, on a, dont on a le sentiment qu'ils disqualifient tout ce qui n'est pas de l'ordre de euh, la, la, la structure traditionnelle, qu'il s'agisse euh, tantôt de partis politiques dans le cadre des élections ou tantôt effectivement de représentation de nations dans le cadre de la COP comme on l'a vu. Alors ce, ce qui est en jeu c'est euh, le qui et le quoi du politique. Euh, et en effet, c'est le fait de... de comment est-ce qu'on définit la démocratie Est-ce que la démocratie, c'est uniquement un régime qui euh, ne reconnaît une voie euh, démocratique qu'à travers le prisme de la démocratie représentative et des corps intermédiaires que sont les partis politiques en particulier, euh, et un peu les associations et les, et les, et les syndicats, mais et, euh, de manière plus, plus, plus décalée ou est-ce qu'on considère que la démocratie, c'est un mode de vie, un mode de relation qui est fondé sur euh, le fait de donner une importance centrale à la pluralité euh, de, dans la liberté d'expression et à la critique. Euh, à la critique, d'autant plus quand elle a pour objectif de mettre en cohérence la démocratie libérale et la République avec les principes de liberté et d'égalité. Donc là, on est vraiment dans un moment qui, pour moi, est un moment d'ouverture de réappropriation de la démocratie, à réappropriation à la fois physique hein, par les mouvements de place, euh, par les Gilets jaunes, par Instinction Rébellion, on voit bien cette idée de prendre. L'espace public, mais aussi à travers les collages contre les féminicides, euh, réappropriation virtuelle euh, par les hashtags, MeToo, euh, on, on, on veut respirer. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, et, et je crois qu'il faut aussi voir ça euh, les, les, les raidissements qu'on qu 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 vit aujourd'hui, euh, euh, ils, ils ne sont explicables que parce qu'il y a eu des avancées, il y a eu des levées de verrou par cette réappropriation de la parole, qui est à la fois une réappropriation en termes du qui du politique. L'idée, c'est qu'il y a une défiance vis-à-vis -vis des, des représentants et des corps intermédiaires et de la démocratie représentative, mais il y a aussi le fait de faire émerger d'autres acteurs et actrices, que cela soit les, les femmes qui subissent des violences, euh, les personnes racisées, euh, euh, mais aussi euh, les ressources naturelles qui ne sont plus perçues comme euh, en dichotomie avec euh, l'humain, mais avec un, un dépassement des frontières entre humains non humains vivants donc on voit qu'il y a de nouveaux politiques, hein, qui politiques qui sont advenus hein, et la pandémie a accéléré cette prise de conscience de nouveaux sujets euh, et aussi en lien avec ça une légitimité. À la diversité des tactiques. C'est-à-dire que le droit est, est quand même valorisé. Et on le voit à travers les recours en justice de, de notre affaire à tous, l'affaire du siècle, à travers des victoires, comme aussi la victoire sur la reconnaissance de la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, euh, qui remet en cause le délit de solidarité suite à un recours de Cédric Herou au Conseil constitutionnel. Donc on voit qu'il y a des victoires. Il y a des victoires au niveau de, de la définition du juste à travers des recours en justice à travers des plaidoyers, mais aussi à travers cette désobéissance civile qui porte du juste face à ce qui est considéré comme illégitime. Donc euh, le, le, le raidissement euh, euh, de, de celles et ceux qui portent un universalisme et une conception de la démocratie qui est fermée et qui n'est pas un universalisme ou une démocratie en mouvement, qui laisse la place aux paroles, qui laisse la place aux voix justement démocratiques. Euh, pour moi, c'est une réaction, euh, on appelle ça en bon français un backlash, euh, mais qui dit des avancées aussi. Euh, donc bien sûr que c'est des questions de rapport de force, de rapport de force idéologique, de conception pro très profonde euh, de ce qu'est et de ce que doit être notre commun d'aujourd'hui et de demain. Euh, mais je crois qu'il faut à la fois être conscient des résistances, bien entendu, et des divergences. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur la conception de ce que c'est. Que, que, que porter en commun et que euh, vivre en démocratie. Donc là, il faut avoir conscience des divergences, mais il faut aussi avoir conscience de tout ce que ça porte pour aujourd'hui et pour demain comme conception ouverte euh, de la démocratie, sans idéaliser la jeunesse, puisque dans, la jeunesse, dans les jeunesses, il y a toujours des avant-gardes, mais il y a aussi des, euh, des, des jeunes qui portent une vision plus conservatrice, voire réactionnaire. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il faut le voir vraiment comme un, une, dans une logique de mouvement euh, et dans une logique qui, depuis les années, en particulier de 2010, pas seulement au niveau français, mais au niveau euh, plus largement international, donne à entendre, donne à voir incarne, puisqu'il y a aussi beaucoup de choses dans le rapport au corps, dans la réappropriation, euh, euh, une vivacité, une pluralité, euh, et que le, 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 la spontanéité aussi, euh, la volonté de rester fluide, donc de porter un, un peu une démocratie sauvage, pour reprendre le fort, une forme de désordre juste, euh, est essentielle pour ne pas être dans l'enfermement et la reproduction euh, des inégalités. On est à, à peu près trois mois du premier tour des élections présidentielles de, de 2022, et dans la foulée, on va avoir les élections législatives. Euh, la, la crise de la démocratie représentative, elle s'appuie avant tout aussi sur euh, le, le sentiment pour beaucoup de, de, de personnes dans ces mouvements, quels qu'ils soient, mouvements sociaux, euh, d'une 5 République et d'une constitution de la 5 République qui n'offrirait pas une place suffisante, justement, à ces mouvements et aux citoyens en général pour pouvoir, euh, euh, justement, porter, porter une, une, une voix nouvelle. Et en fait, renouer avec une démocratie plus, plus, plus fluide. Quels sont les, effectivement les, les outils que l'on pourrait euh, imaginer, dont pourrait se doter la 5ème République Est-ce qu'il faut absolument l'abandonner ou en imaginer une nouvelle afin de pouvoir vraiment euh, offrir une place euh, à ces mouvements sociaux au sein de, du processus démocratique Alors là, vous me demandez de répondre par le comment, <laughs> euh, dans un, une structure euh, déjà très, très déterminée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que. Euh, dans les dans les, parmi les, les, les actrices et les acteurs que j'ai interviewés, il y a vraiment cette idée que le diagnostic, il est très global, donc il est plutôt international ouais. sur un, un, un système euh, qui est à la fois sexiste, raciste et écocidaire et que la réponse, et ça renvoie à quelque chose qui est déjà dans l'altermondialisme, hein, que la réponse, elle est plutôt perçue au niveau local. Donc en fait, le, le, le niveau national, il est plutôt appréhendé à travers, des, en effet, des recours en, en justice, à travers des plaidoyers pour changer la loi, mais la vie démocratique, le faire commun, il est plutôt pensé dans le faire en commun. Euh, dans, dans, des, dans, des, euh, dans un registre qui est plutôt local et on voit euh, donc une, une valorisation par exemple du municipalisme libertaire à la bochkine euh, on a vu une implication des listes citoyennes au niveau euh, des élections municipales avec cette idée que ça permettait vraiment d'expérimenter euh, au niveau local des formes de démocratie plus directes euh, plus participative euh, des, des mises en cohérence de projets locaux. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, de voir que ce niveau... De la démocratie représentative, il n'est pas d'emblée appréhendé comme le lieu légitime pour porter une cohérence du, du commun et de l'émancipation. Et j'étais assez d'ailleurs étonnée par cette désaffection de ce niveau-là, avec des réponses qui étaient à la fois de dire qu'il n'y aura pas de grand soir, donc on n'a pas forcément d'aspiration révolutionnaire, mais qu'il y aura des petits jardins, des jardins partagés, avec la métaphore d'Edouard Glissant sur les îlots feront des archipels. Euh, donc on est dans quelque chose où euh, ça plaiderait plutôt euh, pour une reconnaissance de politique préfigurative. Alors est-ce que c'est préfiguratif ou pas au niveau local Est-ce que ça a pour objectif 2 d'être généralisé au niveau national Donc ça c'est quelque chose qui reste en suspens dans ma recherche et qui je trouve est intéressante hein, au sens euh, qu'on a habitué à, à avoir un cadrage qui est un cadrage justement très national, très étatique. Euh, et et on, on, alors, ça serait intéressant, bien sûr, au niveau euh, de l'organisation euh, euh, de notre démocratie représentative, de penser euh, des formes euh, qui, qui est déjà travaillée, mais qui est plutôt de l'ordre du, du, de la consultation hein, pour tout ce qui est démocratie directe euh, ou participative, voir comment ça pourrait devenir de manière plus, plus systématique et, et, et plus décisionnaire. Mais ce que je trouverais intéressant, en tout cas, ce qui a remonté de mon terrain, c'est vraiment aussi le fait de ne pas se concentrer uniquement sur ce niveau-là, mais donner la place à, à ce qui considère comme étant essentiel, c'est-à-dire des utopies réelles, des utopies en acte au niveau plus local et de voir comment ces niveaux locaux pourraient faire quelque chose qui mettrait des brèches, euh, c'est une métaphore qui est aussi utilisée, dans un système pour que ça devienne un système qui soit un système plus juste et cohérent. Donc le, le, je, je vous réponds en, ag, en, en aggravant le, le problème, mais je vous réponds surtout en, en vous donnant euh, des pistes qui sont vraiment les pistes euh, incarnées, euh, portées par euh, les activistes qui considèrent maintenant le niveau national plutôt euh, comme une manière de se réapproprier le droit, non pas comme une force autorisée, mais comme une arme pour euh, euh, porter des mobilisations de contestation, mais qui, qui investissent peu, euh, j'ai l'impression, la dimension euh, représentative, euh, et qui lui préfèrent un investissement qui sera un investissement au niveau d'utopie réelle euh, locale.